Des trophées de l'agriculture, trophées de l'agriculture qui récompensent des agriculteurs méritants de notre territoire, des agriculteurs qui font des choses extraordinaires sans le savoir. Bienvenue. Alors ce qui est très important de retenir sur ces trophées, c'est le rapport à la nature, et l'agriculteur est le premier à être au contact de cette nature avec beaucoup d'initiatives aujourd'hui, avec la reconquête des territoires. Et puis on oublie une chose très importante, au-delà de nous nourrir, ce qui est quand même le plus important, eh bien, il y a aussi la redéfinition des paysages. Et je crois que l'agriculture et l'agriculteur vont être au centre, au cours de ces prochaines années, de cette préoccupation, c'est-à-dire remodeler le paysage pour qu'il puisse s'adapter mieux à cette évolution de la météo. Par exemple, par rapport à l'eau, les quantités d'eau qui tombent aujourd'hui en France sont les mêmes qu'il y a plusieurs décennies. Alors pourquoi est-ce qu'elles profitent moins aujourd'hui? Parce que les paysages ont été déformés, parce que les paysages aujourd'hui ne sont plus capables d'intégrer, d'absorber cette eau. Donc il y a deux challenges. Redéfinir les paysages, les rendre beaucoup plus résilients par rapport à l'évolution de la météorologie, et évidemment nous nourrir beaucoup mieux et de manière beaucoup plus respectueuse de cet environnement. Je suis heureuse d'avoir participé au Trophée de l'agriculture pour 2022. Je suis fière aussi de pouvoir présenter mon exploitation agricole à Jarmé, d'où je suis donc la dernière agricultrice sur le secteur de Jarmé. Merci à vous toutes et tous d'avoir été présents pour ces deuxièmes trophées de l'agriculture des Vosges. Bon retour, prenez soin de vous et j'espère à l'année prochaine. Merci beaucoup.